BK. Be that generation. Overground or die, nigga. Free tune. Yeah. All of my youngest, some savages running your trap at you up with them packages. Rob you for bricks, finesse you for pounds. Fuck all that talking, they laying you down. Gotta teach niggas about playing around. Cartel connected, you better respect it. Fuck up the paper, send you to your maker. They laying you 6 feet under the ground. Riding with choppers messed up like Chewbacca. Got dressed like a roster, free all of my partners. This one for Sosa and Gio, I got you. Bentley was hatting, Latona was cracking. Dub, TG, Duru, what it do? Down, down, I see you, lay back and be cool. I'm fucking this hoe and she wet as a pool. I'm feeding a dick and you buying the food. Shopping and robbing and robbing and shopping, break red with my niggas, you know how we rockin'. Hittin' these licks and countin' this cake. I don't give a fuck, I'm burying my face. Hoping I live to see me a new day. He got that chopper and ready to spray. I'm running through bitches, what more can I say? Kush came from Cali, shout out to the Bay. Niggas, I know they come shop for the work. Lay you on the floor and take. Ça fait du bruit. J'ai oublié moi. J'avais oublié que ça faisait autant de bruit cette merde. Première sortie depuis le confinement. Je suis sorti une fois mais j'ai pas levé. J'ai 13% de batterie dans la GoPro. J'ai pas pris le micro. Il y a de la verdure, au début du confinement il n'y en avait pas. On va voir si, si après 4 semaines de confinement, et le niveau wheeling part. On va voir si le wheeling c'est comme les vélos, si ça reste. Sachant que je ne laisse pas cette moto habituellement. Je vais m'en démerder de base. Et là je suis en air-salle, 80 air-salle. Pas trop cher là. Attention. On n'est pas encore au niveau de prendre du virage, on va s'arrêter. Mais c'est toujours aussi simple. Putain, se perd pas les gars. Wow, il y a de l'air. Bon les gars, vous m'entendez pas très bien je pense. J'espère que ça filme encore. On arrive sur mon spot, donc je vais faire 2-3 wells. Voir si vraiment après 3 semaines ça reste présent. Et je fais cette vidéo. Elle sera peut-être courte selon quand la GoPro s'éteint. Mais je fais cette vidéo pour vous dire que je compte revenir sur du minimum une vidéo par mois. Je sais que c'est pas la première fois que je dis ça, mais je suis vachement actif sur Instagram. Donc mon Insta s'affiche par là. Et voilà quoi. Donc si vous voulez de l'activité, des belles motos, j'en ai une nouvelle qui arrive. Du très gros. Et voilà. Ah, je suis content, avant j'arrivais pas à faire l'équilibre avec cette moto. J'arrivais qu'avec la MRT. En fait, le confinement, ça améliore. J'ai une impression de. J'ai une impression de facilité folle. C'est facile, j'ai l'impression. Ça fait 3 semaines que j'ai pas levé. Et je trouve ça facile. Alors que d'habitude, je ne lève pas avec cette moto. Mm-hmm.
Ah, le frein il est vraiment violent comparé à la MRT. C'est une des seules derbies celle-là. À peine j'appuie, la roue elle se bloque. Et tu vous me direz c'est pas plus mal. Parce que cette moto est. Voilà, j'ai le pneu avant dégonflé. Cette moto ne sert à rien d'autre que faire des wheeling. Fait. Bon, en ce moment, elle m'amène au boulot vu que j'ai plus le WR, j'ai vendu. Cher, c'est le petit segment, il coûte 130 euros si c'est pas de conneries. Celui-là, je l'ai récupéré chez plus haut. Et ben franchement, il y a un DD Carbu 28, un pot BRK. Et ben là, j'étais en 6ème, hein, jusqu'à. Enfin, je passe la 6ème en wheeling. Alors, je sais que le niveau il fait énormément, mais il y a certaines motos où même si le mec s'est levé, ben il y aura plus de mal à passer des rapports. Et je sais qu'il y a. Il y a un Pro Race par exemple, jamais là elle aurait tenu. Ou alors il faut que je sois beaucoup dans les tours. Enfin, faut un Pro Race 3 je parle. Faut être beaucoup plus dans les tours. Et alors que ça c'est un kit pour apprendre, mais il y a quand même un minimum de coupe. Pas trop, ce qui est bien pour apprendre à garder notre hauteur. Enfin, vous vous en battez les couilles, mais tranquille. La moto elle est dégueulasse, ça fait 3 semaines qu'elle est dans le garage à rien faire. Cette dernière vous l'avez jamais vue sur la chaîne pour ceux qui ne suivent pas sur Insta. Voilà, il y a une bagnole. On va laisser passer tranquillement. Je vais vous faire des plans de la moto. La batterie devrait pas tarder à. La batterie devrait pas tarder à. À fatiguer sur la GoPro. Bon, vous l'avez vu, je vais pas loin de chez moi, j'ai pas envie trop de sortir, il y a des flics partout. Il y a des flics partout, du coup je vais pas trop loin. En tout cas, ça fait du bien de venir ici. Je vais aller là-bas, je pense, vous faire des petits plans. Et on va se rentrer, je vais pas rester trop tout seul longtemps. Parce que voilà, je sais même pas si ça filme encore. Je vais aller là-bas et on va bien voir. All of my youngest, some savages running your trap, you up with them packages. Rob you for-